35 hectares la manam 15 hectares aménagé ci bi 35 hectares yoyu manam 15 hectares aménagé moy 15 hectares yu am ndox mën nga ci installer astaseur mën nga ci installer goutte à goutte fi tamit li nga xamantene mom lañu gën di bay mu ngi nek oignon piment gombo fi dañ fi liggéey à chaque jour nekul par campagne que c'est dañu da nek chaque jour ñoo ngi fi manam li buy jeex rek ñuy def leneen muy nawet ak muy nor. Piram Sarr travaille à la ferme agropastorale d'Agababou dans la région de Thiès. Cette ferme, installée par l'ANIDA, a créé des emplois pour 34 jeunes vivant dans la zone organisée en GIE. Ces jeunes assurent eux-mêmes le financement de leurs activités. Quand on débute la campagne, on va aller dans la banque. Je vais signer avec moi des cahiers. Je vais les lever. Je vais faire la somme que vous avez besoin pour la campagne. Bo démé ba récolte lepp lo xamantene récolté nañ ko jaay ko dañ koy verser banque aussi tamit am nañ fi compte bo xamantene ñu koy wax compte amortissement pour en cas lenen lu fi wara yaqku. Grâce aux différentes spéculations horticoles et à la production de lait, Biram et ses amis arrivent à dégager des marges bénéficiaires confortables. Année bobu li nga xamantene mom lañ ligéyone yépp mu ngi nékkone 36 millions pour nek amon na 1 800 000 wa ci année bi. Ci ben campagne rek ku nek amone 1 800 000 lu tollu ni ku la ko installer ne la kay nga ñak jeriñu baxna tamit nga ci def lo xamantene kenen bu ñewé na fek lo xamantene yow mi fi nekkon ni donte sa doole mënul nga def lepp tamit ya nga don def ab tout bu ñewé mëna roy ci lolu ndax li jeriñ la bo xamantene ken waru ko baye mukk mu dem ci suuf wax deug na yalla amna ño xamantene depuis biñ fi duggé ba légui wutatuñu leneen. À l'évidence, la mise en place de cette ferme impacte positivement sur la vie de Biram et celle de sa famille. Vraiment, la ferme est venue ici, nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses et nous avons fait des choses. Dina gëna dox wa gis nañ ci lolu ndax fas bi tamit ci activité la fa lañ ko jëlé. Des fermes comme celle-ci, l'ANIDA en a déjà érigé 104 avec à la clé quelques 10 000 emplois. Ces fermes modernes, tout comme celles des domaines agricoles communautaires, constituent l'un des piliers de la stratégie du PSE pour faire de l'agriculture un des moteurs de la croissance. À cela s'ajoute la modernisation des exploitations familiales, l'émergence d'un entrepreneuriat agricole basé sur une synergie intelligente entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale et des stratégies pertinentes d'adaptation au changement climatique. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement mise sur la maîtrise de l'eau, le renforcement du niveau d'équipement des producteurs et du capital semencier, ainsi que l'appui à une meilleure organisation des filières dans toutes les phases, depuis la production jusqu'à la commercialisation, et enfin l'attraction d'investissements privés socialement responsables. L'autosuffisance est devenue le maître mot de la politique agricole. Les résultats obtenus sont assez éloquents. Le riz paddy est passé de 405 000 tonnes en 2012 à 950 779 en 2016, soit plus qu'un doublement de la production. La filière oignon a déjà dépassé l'objectif fixé en 2017 de produire 350 000 tonnes. Déjà en 2016, 400 000 tonnes ont été récoltées, permettant à notre pays de couvrir pour au moins 8 mois ses besoins. Il en est de même pour les filières tomates et pommes de terre. En 1992, je suis déplacé une année. Il y a des gens qui ont été en train de se faire en Sigali, en Espagne. Il y a des gens qui ont été en Dakar, il y a des gens qui ont été en Mauritanie. Quand on sait que l'Olaq est venu, les motopompes ont commencé à venir. Ils ont mis des canals et des motopompes. Ils ont fait 50 hectares par année.
bi olak duggé ñuy continuer ci non di continuer non ba fi may waxanté ak yow ni hein ñong ci 2000 hectares yo xamni ñu ngi koy liggé ci lak bi auto bi taxaw daaw sama tool patate ci la ko génné 4 millions amé 2016 suma ci amé 4 millions rendement bu yokku la lan moko waral dañu drague porte bi kon no ngi gëna avancer légi ñu won espagne ngi daw di ñew ñu won mauritanie daw nañu ñew fi may waxante ak yow ni bare na modou modou yo xamni delota ñu ngey bay ñu ngi ci patas bi ñu ngi ci ñambi au total les filières horticoles se portent bien la production a atteint 1 206 000 tonnes en 2016 dont plus de 88 000 tonnes à l'exportation notamment la mangue les haricots et les tomates cerises. Le projet pour le développement inclusif et durable de l'agrobusiness au Sénégal, PEDIDAS, prévu dans la cuvette d'Ungalam et la zone du lac de Guière, permettra l'irrigation de l'aménagement de 10 000 hectares pour 100 000 tonnes de produits horticoles à exporter et la création de 10 000 emplois. La culture de l'arachide, elle aussi, est relancée. De 527 000 tonnes en 2012, la production a atteint 1 million de tonnes en 2015 et 960 000 tonnes en 2016. Non seulement les prix aux producteurs ont connu des niveaux jamais égalés, mais de réelles perspectives s'ouvrent pour le secteur, avec l'ouverture sur les marchés extérieurs, comme la Chine et une forte demande des industries. Du reste, la Sonacos, reprise en main par l'État, a redémarré ses activités sur 4 de ses sites et 3 unités industrielles privées sont en pleine activité. Aujourd'hui, un accent particulier est mis sur l'autosuffisance en riz à travers la riziculture irriguée et pluviale. En fait, le volet agricole du PSE, décliné dans le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal, PRACAS, s'inscrit résolument dans une dynamique d'accélération des performances et des rendements. Amna parcelle yi nga xamné def nañu ko réhabilitation amna lak lu dess mais ñun dal depuis 2012 bété luñu am fi yalla rek mo xam fu mu toll parce que amna paysan yi bari nga xamné dañu dawon fi ñew nañu amna suñu dom yi nga xamné xalé goor yi nga xamné dañu doon joggé fi dem bitim rew légui suñu organisation yi commission yi yépp xalé goor yi ñoo nekk fofu rien que dans la vallée du fleuve Sénégal zone stratégique pour la riziculture. Différents projets et programmes en cours sont évalués à plus de 170 milliards de francs CFA. Plus de 31 000 hectares de terres ont été aménagés, réhabilités ou réfectionnés. Le parc de matériel agricole et d'irrigation a été modernisé et renforcé avec 800 tracteurs, 50 moissonneuses-batteuses, 65 batteuses à riz, 1000 groupes motopompes subventionnés à hauteur de 60% par l'État. 8 stations de pompage, 18 petites unités installées, et le quasi-doublement des capacités de stockage avec la construction de plus d'une centaine de magasins. Je suis un producteur, nous avons 320 producteurs, gor ak jigen. Notre surface est de 272 hectares. Vous savez, ici, il y a un problème de conservation. Il y a un problème parce que j'ai un magasin de capacité de 1500 tonnes. Et ce qui est produit, c'est tout. Il y a un problème. Aujourd'hui, le défi majeur réside dans le renforcement de la transformation des produits agricoles pour leur apporter de la valeur ajoutée. La bataille est bien engagée avec l'installation de plusieurs unités industrielles. Ainsi, on note une nette amélioration du plateau technique des unités de transformation, améliorant ainsi fortement la qualité du riz de la vallée. C'est dire que de réels efforts ont été consentis par les pouvoirs publics pour booster le secteur agricole et gagner définitivement le pari d'une agriculture moderne et rentable. L'émergence de véritables entrepreneurs agricoles, avec un accroissement sensible des revenus dans toutes les filières et la création de milliers d'emplois, sont autant d'atouts qui permettent au Sénégal de continuer à réduire significativement ses importations de produits alimentaires et de se positionner progressivement sur les chaînes de valeur mondiale avec une offre diversifiée et de qualité.